gitmiş be! Allons, la mère, allons. Vous plaignez pas. Elle est tombée sur un bon gars. Et puis, elle reviendra bien un jour. Quand je pense qu'elle n'avait jamais quitté le village. Dommage qu'on n'ait pas pu fêter la noce. Moi, j'adore ça, les banquets. Oh, vous alors. Alors, on les accompagne jusqu'à la péniche. Quel balabre, un type qu'on connaît même pas. Quelle mariée, qu'est-ce que tu dis à la belle? Bon, que vous avez dit? Que j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Paraît qu'ils sont pas petits trop qu'ils sont les gens chers. Paraît que t'as pas du vilain avec la compagnie fluviale qui lui mariée. Mais bidou, mes doigts dans le rang, restez par deux, là, par couple, là, c'est très bien. Elle pourrait donc pas être venue chez nous? Elle a jamais rien pu faire comme tout le monde, celle-là. Oh, ça se pleut plus au village. Bien sûr. Allez, voyez-vous. Bon, bon. Et voyez pas que les mariés sont déjà arrivés au village. Ben oui, c'est pas grave, ça. Qu'est-ce que tu fais quand j'arrive? Ben, je vais vers la patronne et je lui dis... Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, heureux avis à bord de la Talente. Bon, ça va. T'as les soeurs? Ils sont dans le seau. Ça manque, ça. Et tu vas lui mettre un autre papier autour. Comme un lot va lui tomber sur la robe. Et les voilà. Dépêche-toi! Là-bas! Coupe à l'eau! Du papier autour! Du
papier autour. Heureuse vie à bord de l'Atalante. Du papier autour. On part tout de suite, passant. Si on part, tu sais bien que oui. Bon, ben, je vais secouer le moteur.
Et on accoste. Amène les cordages. On va accoster. Père Jules, as-tu encore avec tes sales chats? Ben viens voir ce qu'ils ont fait sur le lit. Viens voir la patronne. Tu t'amènes? Sans le chat, pas plus cochon que toi. Surtout moins bête. Surtout moins bête. Voilà. La mignonne qui a fait ses petits. Où c'est que tu t'étais caché pour les faire? Oui, mais sur notre lit, tu exagères, mon vieux. Ils sont pas de moi. Là-dehors. Allez, emmène ça ou je les fous à la flotte. La flotte? Il m'en reste un gosse, celui-là. Charogne. Viens dans ma mignonne. Viens, ma fille. Viens, ma fille. Reste pas avec ces méchantes bêtes-là. Tu sais, Juliette, il a trois autres chats comme ça. Où mets-tu le linge? Dans le placard. Dis, vous faisiez la lessive tous les ans? Pas toujours. Eh ben, ça va changer. Et un temps de main? Mais non, pourquoi? Oh, mais parce que pas aujourd'hui. Allez. Mais non. Mais d'ailleurs, tu auras le temps ici. Attends. Bon, ben alors je vais t'aider. On va vous faire la cuisine. Viens chercher le linge sale. Viens chercher le linge sale. Oh, la minoune qui a fait ses petits. Pourquoi faire? La patronne va les suivre. La patronne veut laver mon linge? Père Jules ne veut pas donner son linge. Père Jules ne veut pas donner son linge? Non, il ne veut pas donner son linge. J'ai pas besoin de vous, j'ai pas attendu la patronne pour me laver les pieds, moi. Alors, fais pas l'idiot, donne-nous ça, quoi. C'est bien pour faire plaisir à la patronne. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour elle? Même je m'en allais aux provisions pour la patronne. Alors encore marchand de ferraille, là. Eh ben, je dis. Père Rasputin. J'ai un disque. Hein? J'ai un disque? Oui. Il est long? Monsieur peut se rendre compte? Hein? Oh ben, d'abord faut dire que j'ai pas fini mon phonographe, moi. Le père Jules est encore allé voir un copain. Faut toujours qu'il se fasse arranger à acheter des bouts de ressort, des vieux trucs, des vieux machins. Et si le temps nous dure, il faut bien qu'on endure. Quand on a le cœur gai, le métier de marinier. Comment? T'as fermé les yeux? Fermé les yeux? Bien sûr, je m'y attendais pas. Puis qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais tu ne sais pas? Tu ne sais pas que dans l'eau, on voit celui qu'on aime? Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, parfaitement. Quand j'étais petite, j'en ai vu des choses comme ça. Quoi? Et même l'année dernière, c'était toi que j'ai vu. Oh, je t'ai bien reconnue, va. Quand tu es venue pour la première fois à la maison. C'est vrai? J'ai rien vu. Attends. Mais Jean! Mais arrête! Mais sors la tête! Mais voyons, tu es fou! Je te vois pas! Mais je ne veux pas! Mais c'est pas un jeu, Jean! Je te vois pas! Jean! Ah, je te vois! Je te vois! Elle lui va porter son sac.
c'est Raoul le Boucher, en garde. Une cravate de François le Bordelais, à terre. Après ça, un bras roulé, le pont, pour tenir. Bon, je tiens. Hein? Après ça, coup de tête à l'arpin, paré d'un pont avec retour. Hein? Après ça, sur les deux épaules. Qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? C'est parti à présent, bande de cochons. C'est bête, tu sais. Je voulais te voir, quoi. Ben, regarde-moi. Mais dans l'eau, là-dedans. Tu ris, toi, hein? Mais c'est vrai. Tu vas le voir un jour, quand tu le feras sérieusement. Tiens, prends ça. C'est chaud, ça. Elle a raison, la patronne. Les trottoirs, ça lui suffit pas. Allez-vous piéter, patron. Hein? Et toi, tribord? Et toi, bavard? Dire que c'est comme ça toutes les nuits. T'ennuies? Oh non. T'en fais pas. On va repartir, tu verras du pays. Dérive. Dijon, on arrive bientôt. Où ça? Oh, je ne sais pas, où tu veux. Quelque part. À une ville. Une grande ville. Dis, c'est long un déchargement à la ville. Avant l'eau était Paris. Jean, Paris. Avant l'eau était Paris. Qu'est-ce que tu dis? Paris. Eh ben quoi, ça t'épate? C'est loin. Oh, loin ou près, on entend toujours de la même façon. Oh, je te demande si Paris est loin pour savoir dans combien de jours on y arrivera. Oh, toujours trop tôt pour ce que c'est rigolo, les docks de la Villette. Tiens, vite-toi. Alors ici Paris. Veuillez écouter les dernières informations. À l'occasion de la grande quinzaine du boulevard Haussmann, sont exposées dans des vitrines. Oh, encore ce discours! Mais nous, laisse-t-on sur Paris. Mais fais attention, tu vas escarter le poste, quoi. Mais fais-toi et attention. Tiens. La mode est au ton violine. Pour le soir, lamé, velours, satin, comme toujours. Les chapeaux se portent en béret, coquettement relevés sur le côté gauche de la tête. Allô, allô, ici Paris. Qu'elle nous rend fait de temps, toi. Ah oui. Mais
On n'y voyait rien. Ouais. Faire attention. Juliette. Juliette. La patronne. Où est la patronne? Juliette! J'aurais bien pu me répondre, tu m'as fait peur. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment rien? Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Va travailler. Oh, il commence à me pourrir, le patron et sa Juliette. Travaillez. C'est peut-être elle qui graisse les machines. Ils sont toute la journée à se bécoter ou à s'engueuler, là. Bon, oh, puis je fous le camp, moi, j'en ai assez. Je suis pas d'ici. Il n'est pas fâché, hein? Mais non. Et où est-il passé? Pas de danger qu'il s'en aille, lui. Te tracasse pas comme ça. Tu le redonneras à ton père Jules. Ça aurait pu arriver à l'heure. Allez, la mignoule, t'es pas chez toi. Hey. Allons, fais pas la gueule, quoi. Pas la gueule. Tiens, le brouillard a l'air levé. Faut rattraper le temps perdu. Bouge pas, père Jules. Fini de bouffer, viens me suivre. Qui, moi? Oui, toi. Vous faites là? Je couds à la machine. Hein? Où est la machine? Hein? Où est la machine? Vous n'avez jamais vu de machine à coudre? Hein? Jamais vu de machine à coudre, Marc? Hein? Allez voir. Faites-moi voir un peu de ça. Vous connaissez des métiers, hein? Hein, si j'en connais des métiers. Gardez ses mains. Fais pas tout ce qu'elles ont fait. Mes mains soient par Shanghai, en montant, là, à allez, la porte. Allez, allez, père Jules, pas de bêtises. Cherchez pas, patronne. Je suis pas mauvais seulement. Quand on me cherche, on me trouve. Ah, oh, ça va, père Jules. Oh, ben. Et puisque vous êtes si fort, passez donc cette jupe. Hein? Passez cette jupe? Mais oui, vous allez me servir de mannequin pour la rendre. Pour la rendre? Hein? Pour la rendre, alors.
ça me va. Hein, comment ça se met, l'affaire? Allez, ça suffit. Restez tranquille. Je peux pas le mettre. Hein? Comment ça se met, ce truc-là? Comment? Vous ne pouvez pas la boutonner? Vous la rendez. Mais rentrez ce ventre! Vous avez la taille fine, hein? Ça ne s'y est pas. Ça ne s'y est pas, mais ça. Tenez. Hein? Alors, tenez-vous bien et mettez-moi ça à l'endroit. L'endroit? Ah! On parle bien, putain. Allez. Travaillez la moutière, travaillez la bonne eau. M'a soufflé. Je n'ai rien fait, moi. Je suis fatigué, moi. Eh bien, vous partez ou non? Non. Non et non. Et renom. Père Jules, on est à Paris, à la manœuvre. Hein? Patron a dit qu'il fallait se dégrouiller. Patron? Qui c'est ça, le patron? Qui c'est encore celui-là? Patron. Vous mentez, mon bonhomme.
ça à Caracas. Pour la révolution. 1800, oh. Je ne croyais pas tout de même que c'était comme ça chez vous. Vous parlez d'une vitrine, hein? Oh, ben. Il n'y a rien que des belles pièces. Rien que des belles pièces. Non, ben. La Havane, ça. Oh, même que j'ai eu des histoires avec Dorothy. Oh, ben. Pièce anatomique. Ça, ça court. Tout bien. Et le phono? Oh ben, il marche pas, ça. Encore, je travaille dessus. Chine et Japon. J'ai faim, celui-là. Hein? Tout à la main. Tout à la main. Oh, ben. Oh, en voilà un couteau. Oh, c'est pas un couteau, ça. C'est une navaja. Puis ça coupe. Oh, ben. Vous vous êtes fait mal. Oh, t'as rien. Attendez, je vais chercher un linge. J'ai rien. Oh, mais c'est chat. C'est vous, ça? Oh non, ça c'est mort. Un ami qui est mort il y a 3 ans. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est ses mains. Ah oui, tout ce qui me reste. C'est là. Hein? Mon collier? Non, là. Ah, les tatouages. Oh, c'est des tatouages, ça. Vous mentez. Hein? Ça n'a pas froid. Hein? Vous jouez de l'accordéon. Hein? Allez. Ça rend tête. Hein? Vous aussi, Père Jules. Oh oui, vous avez de beaux cheveux. Ils sont pas si beaux que les vôtres. Attendez. Hein? Je vais vous faire l'arrêt. Oh, ben, vous êtes trop gentil. Ça me chatouille. Pour t'être habitué à des douceurs. Qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Puis on v'là, bazar! Des filets, des nasses! J'ai répété 100 fois que ces trucs-là étaient défendus à bord! Puis ça empoisonne ici! Des sapes! Des saletés, hein. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, hein? Puis qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est moi quand j'étais petit! Toi quand t'étais petit! Fous pas de moi, hein? Toi quand t'étais petit! T'avais des cheveux comme ça quand t'étais petit? Donnez-moi cette gueule! Te défends de mettre les pieds ici. Puis me regarde pas comme ça. Tu crois que t'es chez toi?
Et tes cheveux, tu t'es fait couper les tifs? C'est qu'il faut piquer quand même. Bien. J'ai oublié celle-là. Tu vois, pour m'en vouloir, quoi. Tu comprends, j'étais fou quand je t'ai vu avec ce vieux loufoque qui se fait tondre. Puis on est à Paris depuis le temps que t'avais envie d'y venir. Pour une fois que j'ai fini mon boulot de bonheur. Voilà. C'est un malheur. Et puisqu'ils n'ont pas besoin de toi, sortons. Oh, me trincole. Oh, mais je voudrais bien voir une fois la ville. Oh, c'est vrai. Eh bien, apprête-toi. Je vais te balader un peu. Tu vas faire un peu moins de poussière, non? En mouille pour balayer, bougre. Regarde. Je vais les traîner. Et toi? Oui. Tu vas t'habiller? Alors dépêche-toi. Voyons. Ouh! Ouh là là! Oh, mais il m'en reste déjà plus, attention! Tu n'as pas vu mon cognier? Votre Grégory? Oui. Oh, il est cassé. Il n'y a qu'à le réparer. Oh, mais ça ne se répare pas comme ça. Ça ne se répare pas, mais... C'est la série noire qui commence. Allez, passe-moi mes brusques. Pour faire vinaigre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est de la naphtaline. Tu sais, c'est ton costume de noces. Ah, mais ça sent pas bon. Patron! Oh, il m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est? Il y a le feu? Il y a la consultation. T'es malade? Non, je suis pas malade, mais j'y vais quand même. Voilà. Je suis prête. Il faut attendre le père Jules. Comment? Il ne va pas venir avec nous? Non, il est allé à la visite. En visite? Oui, il est au docteur. Il est malade, il a emmené le gosse. Je ne voudrais pas laisser le bateau seul, moi. Oh, dis tout de suite que nous ne sortirons pas. Nous sortirons pas, mais si on sortira un peu plus tard, quoi. Oh, on ne sortira encore pas. Voilà tout. Mais tu vas pas te déshabiller? Veux-tu que je fasse d'autre pour rester là-dedans? Et puis, tu peux toujours l'espérer, ton père Jules. Puis le collier, alors, le collier cassé. Mais la crâne, vos cartes sont bonnes. Oh, les cartes sont bonnes. Elles sont pas tant bonnes. Donnez-moi votre main. Hein? Donne-moi ta main. Alors, j'ai les cartes pour moi. Oui, rassure-toi, t'as les cartes pour toi. Oh, ce que tu es sensuel. Hein? Ce que tu as dû en faire brûler des pauvres. Forcément. Forcément. Puis t'es gourmand. Mais rassure-toi. Hein? Il y a du bon. Il y a du bon? Oui. Tu arriveras. J'arriverai? Pas d'ennui possible. Ah oh, bon. Alors, t'es content? Arrête. Maintenant, si tu veux, je peux te faire le grand jeu. Hein? Ben, va-t'en. Hein, quoi? Ben oui, t'as rien à faire. C'est pas toi qu'on fait les cartes. Va m'attendre dehors. Oh, bon, bon, on y va. Fais le grand jeu aussi. Oui? Hein? Si tu veux, je te fais le grand jeu. Ah, oh, je t'en fais bien. Tu vas l'attendre longtemps, ton père Jules? Mais il va plus tarder. D'abord, je ne vais plus sortir. Allez, maintenant, hein? On sera mieux au lit. Je m'en fous, j'ai les cartes pour moi. Père Jules! Je reprends à plus tard, on avait affaire! J'en étais sûre. Thank you.
Oh, c'est toi. Je croyais que... Je rêvais, je croyais que tu t'en allais, que tu me quittais. Quel cauchemar. Mais tu as froid? Le père... Alors, debout là-dedans! Mais c'est le père Jules! Paré, paré, oh oui, l'infâme amoureuse, cher au gambardier, et au gambardier, et toi la gazin source de. Paré, paré, oh oui, l'infâme merveilleuse. Un bon môme! Fais te coucher! Cher aux amoureux et aux gambardiers, c'est toi là! Attends un peu, moi je vais te le faire voir, Paris. Paris, Paris, au vilain femme et merveille! Ça va bien, va-t'en! Ne me foutez pas, hein! C'est pas trop dans l'inquiète. Oh oui, l'infâme est merveilleuse. C'est aux amoureux et aux gambardiers. Gosse, réveille-toi, le père Jules en a encore pris un deux coups. Chaque fois qu'on accoste à la ville, il faut qu'il se distingue. Moins on y reste, mieux on s'en trouve. Puisqu'on est réveillé, on va partir tout de suite. Vous allez tous les deux m'aider à la manœuvre. Allez, amène-toi le gosse, mets ton falzard. T'en veux pas? Mais non, pourquoi? Oh, t'as pas eu de veine. Pour une fois qu'on était à Paris, le père Jules a fait le zigoto. C'est pas nouveau. Mais on reviendra. Et alors, je te promets qu'on s'embêtera pas. Je te montrerai à la tour Eiffel, 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ah, dis ça. Tu me crois pas? Et d'abord, on n'attendra pas Corbeil pour s'amuser. Demain, je te mènerai aux quatre nations sur le père du Jules. C'est comme si on y était déjà. Thank you.
amis, madame et monsieur, comme c'est gentil d'être venu. Nous vous attendions justement pour commencer la fête et servir les biscuits secs archi-secs comme la chatte de l'archiduchesse et sèche archi-chesse. Oh, pardon, vous avez emmené vos oiseaux? Oh, la jolie rose! Que pensez-vous de ce mouchoir, hein? Oh, pardon. Mais j'ai beaucoup mieux. Le passe-partout, véritable mouchoir passe-partout, indéfusable, indémodable, indéfusable, inoxydable. Le passe-partout, attention, attention. Hop, il a disparu. Et dans la poche? Non, 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 non. Attention, un peu de poudre de perlimpinpin, hop, il est toujours là, monsieur. Le voilà. Attention, hop, il est parti. Attention. Un petit tour, hop. Hop, pardon, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, un petit tour, monsieur. Un petit tour de carte pour monsieur. Choisissez une carte, n'importe laquelle. Ça m'est complètement égal. Là, mettez-la où vous voudrez. Ici, par exemple, où vous voudrez. Attention, ça doit être le 4 de pique. 4 de pique, attention, hop, 4 de pique, santé, et le voilà, monsieur. Très bien. Voulez-vous que je puisse vous proposer quelque chose? Des bretelles, quoi? Des bretelles, non? Des bretelles, des bas, madame? Voulez-vous des bas? Non? Pas de bas? Non? Pas de bas? Oh, c'est dommage, attention. Oh, je vous pardon, excusez-moi, là. Et qu'est-ce que vous prenez? Un coup de rouge et un boc. Et un coup de rouge et un boc. Les gars, ça va commencer. Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes jolie. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes jolie. La campagne, c'est bien loin de la ville. Mais particulièrement, vous êtes jolie. Ça sent si bon, la naphtaline. Oh, mon amour de 4 sous. Je vends des peignes pour l'époux. Et des dentelles pour l'épouse. Des cartes postales bleues et roses. Regardez ce que je vends. On ne fait jamais rien pour la vue. J'ai des baleines, des éléphants. Des châteaux neige pour vos enfants. C'est moi le camelot de la rue. Coucou. De vous approcher, ça n'engage à rien. Pensez au lendemain, quand vous serez couché, quand vous regretterez d'avoir pas acheté. J'avantage dans le ménage des produits contre la rage. Coucou. Mais pas de diment, je dis tout simplement que ces couteaux de table, aux robes échangeants, sont inoxydables. Éternellement. Si vous êtes en pression, ça saute le caleçon. Qu'avec ces bijoux, d'un peu plus de 20 sous, on se paye de vos jours. Toujours. Voyez dans notre page, je rembourse le voyage. Un article acheté ici, c'est garanti de Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ton tableau qui est là? Tu as des billets, toi? Oui. Mais tu iras, quoi, tu vas voir. Tu vas terminer? Attends, quoi. Tu vas voir un peu. C'est en vie? C'est 30 francs. Non, 20 francs, 20 francs, 20 francs. Qu'est-ce que c'est? C'est 20 francs. La maison offre une prime à tout acheteur, une danse pour la dame. Comment, vous ne connaissez pas Paris? Non, je ne suis jamais allée à la ville. C'est formidable! Passons la monnaie par ici. Allons, allons, dépêchons les enfants. Ça recommence. Allons là, merci. 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 Allez. Sans blague. La ville, nip de nip. C'est formidable. Que je peux vous en apprendre des trucs et des machins.
parti à l'écharpe aussi. C'est du payer content. Allez, dis-moi, quoi, c'est un peu moins de ce bateau, là. Ce que je dis, c'est du payer content, du payer content. Au moins, tu restes pas tranquille. Tu sors? Oui. Tu ne m'amènes pas? Non. Je suis venu vous faire mes excuses et vous dire au revoir en musique. Tenez, votre écharpe. Vous l'aviez abandonnée. Merci. Un article de Paris. Du beau, du nouveau, un peu beaucoup de la ville. Paris, j'y serai ce soir. Vous venez, je vous emmène. Comme ça, c'est fait, c'est dit, à la sauvette. Hop, voilà. Oh, vous voulez rigoler? Là-dessus, vous attraperez des rhumatismes. Je vous emmène en vélo, vous serez juste de retour avant la peine. Vous verrez, c'est une affaire formidable, une ville qui pète le feu. La ville lumière à tous les étages. Et des vélos, et des motos, et des autos, un capot pour Toto Parigo. C'est beau, c'est merlifique. Les Champs-Élysées pour bébé, les Tuileries pour Bibi, pour Madame Notre-Dame. Hein? Alors, c'est dit, c'est fait, je vous enlève une fois, deux fois, trois fois. Personne ne dit mot. Didi, oh, pardon, mais je trouve la frappe. Hey, amusez-vous bien, hein. Amusez-vous bien, faites vite en rigolant. De Paris, du beau, du nouveau, un peu beaucoup de la ville, quoi. Pourquoi es-tu resté sur le pont? Il parle bien, ce voyou. Tu l'écoutais, lui. Paris, la ville, c'est pas demain que tu iras. Paris, j'y serai ce soir. Vous venez? Je vous emmène à la sauvette, comme ça. C'est dit, c'est fait. Ce ne sera pas long, vous serez juste de retour dans une heure. Alors, si oui, une fois, deux fois, trois fois, je vous enlève, personne ne dit mot. Incroyable, alors ça.
pas bien branché, Blandière. Rien du pic. T'as compris? On part. Comment on part? On devait partir dans deux jours. Ça me regarde. Hier soir, je t'ai pas non plus consulté pour partir de la Villette. Oh, hier soir, c'était le passé, mais le passé, le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous me reprochez? Je dors pas, c'est une affaire entendue, mais c'est pas une raison. Tout de même. Mais il s'agit pas de toi. De qui il s'agit alors? La patronne qui est partie. Doucement, le monde pourrait attendre. C'est pas la peine de le mettre au courant. Où ça qu'elle est partie? Je veux pas le savoir. Je préfère m'en aller du pays. Bon, va revenir, la patronne, d'une minute à l'autre. Dans une heure, et même qu'elle reviendrait demain. Mais demain? Dans cinq minutes, j'en voudrais plus. Ben, au moins, laissez-moi reposer. On a dit qu'on restait deux jours à quai. T'en restes les deux jours, puis après, on ira chercher la patronne. Va chercher? Mais à quoi ça servirait, espèce d'idiot? Et puis, qui commande ici? Allons, toi et le petit sur le pont. On part tout de suite pour Corbeil, comme d'habitude. Allez. Monsieur, Blanc, il montera pas tout de suite. Merci.
choisir pour Corbeil. Bien, madame. Alors, et quand joue et quand joue pas? Hein? Allez, c'est à vous de jouer, patron. À vous, patron. Bien joué. À moi, à présent. Un, deux et trois. Et la dame. À vous, à présent. C'est bien. À moi. C'est mieux. Bravo, patron. Allez, vous, patron. Hé, vous avez des blancs. Ah, vous trichez? Ben, la loyale, alors. Bravo, patron. Allez, vous avez des noirs, allez. Bon, juste le moment où j'allais gagner. T'embêtes encore, mais alors, je ne peux plus jouer. Complètement fou. Ah. Au moins cette mécanique marchait. Elle disparaît un peu. D'ailleurs, j'ai bien cru que ça y était, puis là encore que je bricole dessus. Not it.
vrai, on avait des choses plus fortiches que de faire marcher un disque avec un doigt. L'électricité. Tu sais ce que c'est que l'électricité? Hein? Ben alors. Et la TSF, tu pourrais expliquer la TSF, non? Alors discute pas. Discute avec ceux qui savent. C'est bon. J'ai ma burette à voisin. C'est toi qui as foutu ce ressort là. Il n'y a rien à faire là. Pourtant pas noyé, il s'est nagé quand même. Oh, ben vous nous en faites des peurs. Allez vous changer, bougre. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous allez à la pêche? Oh! Oui, que vous allez à la pêche. Vous n'allez pas à la pêche, alors. Hein? Vous allez à la pêche? Tiens, on va chercher le vestiaire. Vous allez à la pêche? Hein? Gili, 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 gili! Hein? Voilà! On va jouer du phonographe. Hein? Allez, on va chercher le phonographe. Je vais vous présenter ma dernière invention. Hein? Voilà! Thank you.
d'accord, on est arrivé. Eh ben alors. Où c'est qu'il va après ça? Encore un marin sous. Un marin sous? De quoi? Ma main sur la gueule. Ça fait votre affaire? Hein? Ah, messieurs. Allez, faut rentrer à présent. T'as compris? Faut rentrer? Je sais qu'on a des histoires à présent. Faudra aller à la compagnie, hein? On a reçu une convocation. Ben, qui c'est qui va s'expliquer? Encore moi, à cause de cette gaffe, tout ça, vous. Vous auriez pu vous raser. C'est pas convenable, ça, quand même. Alors, reste là. Ah oui, ça va. Ce n'était pas à toi de t'en occuper. Qu'est-ce que tu es ici? Je suis un rien du tout. Un rien du tout? Oui, un rien du tout. Un rien du tout? Eh bien, si tu es un rien du tout, passe à la caisse. Fais-toi régler et fous-moi le camp. Ben, je ne passerai pas à la caisse. Donnez-moi mon compte. Le compte? Oui, mon compte. Et le patron de la Talente, il est arrivé? Ça ne va pas traîner non plus avec lui. Ah, vous, voilà. Toi, là-bas, oui, toi, le second de la Talente, tu comprends? Entre. Non, non, tout seul. Ferme la porte. Je n'ai pas de temps à perdre, moi. C'est pourtant vrai qu'on est des rien du tout. T'attends ton tour? Dépêche-toi, parce que la caisse ferme à 6 heures. Alors, le patron de la Talente, s'occupe-t-il de son travail, oui ou non? Oh ben, ça... Alors, les pièces qui sont dans le dossier, des blagues? Peut-être pas des blagues, mais sûrement des racontards. Tu soutiens que c'est lui qui commande la Talente? Ça pourrait te porter tort. Tu as déjà fait des tiennes, et ailleurs que chez nous, tu le sais bien. Oh, si je le saurais pas, qui c'est qui le saurait? Même je vais vous en raconter une bien bonne. Te défile pas. Le patron commande-t-il la Talente, oui ou non? Mais qui c'est qui la commanderait? Je suis tout de même pas commissionné pour le faire, moi. C'est tout de même pas le gosse qui fait avancer la péniche en soufflant dessus. Enfin, quand même, quoi, voyons. Tout de même, enfin, quoi. C'est vrai, ça? Ça va bien. Mais au dernier, mon opinion, tout ça, c'est des chicanes et compagnie. Ça va bien. On en reparlera. Oh, moi, j'ai autre chose à faire. Il y a tout de même autre chose que la Talente. Tu te débrouilleras avec ton patron. On en reparlera parfaitement. Oh, eh bien, au revoir, ça. Oui, au revoir. Et peut-être plus tôt que tu ne penses. Arrête, c'est ça. C'est inimaginable. Ce dossier, il ne me regarde pas pour qu'il me prenne tort à la fin. Je vais le jeter au panier. Le patron de la belle Amélie. Wesley, Pierre Wesley. Entrez, j'en ai assez à la fin. Ça ne va pas traîner. Vous tombez bien. Ça n'est pas lui de peu à la compagnie pour que le patron se fasse balancer. Ah, ça peut plus durer comme ça. Je m'en vais chercher la patronne. Vous allez chercher la patronne? Oui. On va chercher la patronne.
T'as pas vu la gueule qu'il a? Je pars et je reviens à ta patronne. Vous partez maintenant? Oui, je m'en ai pas attendu le 14 juillet. Tu connais le tango avec Perdo des opérations. Mais alors, c'est pas mal, hein. Allez. Nous ne sommes pas sur les péniches pour y flâner, pour travailler. Nous ne sommes pas sur les canaux pour se balader, pour naviguer. Les fesses sur la barre, c'est nous les mâles là-bas. Quand le sourire d'une belle nous retient et nous appelle. Et si le temps nous dure, il faut bien qu'on endure. Quand on a le cœur gai, le métier de marinier. Les jeunes filles se sont embarquées sur les péniches pour bien longtemps. Leur jour commence. Allez, Perzule est allé chercher la patronne? Oui, c'est où elle est. Tu le jures? Il va la ramener? Oui. Va chercher de l'eau. J'y vais, patron. Allez, dépêche-toi, Toto. Attention à la bassine. Qu'est-ce que j'en fais? Monte là-dessus. Allez, verse. Les voilà! Les voilà! Les voilà! Le Perzule et la patronne arrivent!